Pour ce troisième itinéraire Aïkido, je vous emmène à la Chaux-de-Fonds en Suisse, où va se dérouler un stage de 2 jours organisé par la Christian Tissier Line de la Fédération Helvétique Aïkido Switzerland. Je vais durant ce stage présenter ce que j'appelle les 4 piliers de pratique de notre discipline. Statique. Celui-ci est construit à partir d'un départ arrêté, de manière à mettre en évidence les points clés permettant de structurer les techniques. Ce niveau de pratique exclut bien évidemment toute notion d'urgence ou de vitesse. Face aux stagiaires, cette méthode de travail me permet de rendre davantage lisibles les principes de construction géométrique des techniques dont j'ai déjà parlé lors du précédent reportage. Le second pilier est celui de la réalisation dynamique, un mouvement fluide et harmonieux, basé sur le dialogue entre uke et tori, c'est le kion. En quelque sorte, le kata des techniques d'aïkido, l'idéal recherché. Je pense qu'il convient de le dégrossir dans un premier temps, puis de le polir sans arrêt, afin de l'améliorer au maximum. Il symbolise pour moi la notion d'introspection. L'application. Ce troisième pilier est important car il représente la capacité à pouvoir adapter les kions à des situations diverses et variées. Mais pour moi, l'application n'est pas une technique de combat magique qui marcherait à tous les coups. C'est davantage une capacité qui permet de la manière la plus économique et la plus précise d'aller au point crucial de l'échange, afin de pouvoir y installer la technique souhaitée. Éducatifs. Ce quatrième et dernier pilier se compose d'un certain nombre d'exercices dont dispose le professeur et qui lui permettent de mettre en lumière puis de décrypter certaines phases du kion. Personnellement, je les utilise le temps de faire passer un message pédagogique. À la Chaux-de-Fonds vient de se terminer et j'aimerais vous présenter le professeur de ce dojo, monsieur Tristan Donzé. Bien, bonjour, merci Michel de me faire l'honneur de me présenter. C'est vrai que le stage vient de se terminer, on a découvert une pédagogie incroyablement efficace, intéressante. On a vu l'aïkido sur un jour nouveau, on a fait une rencontre particulièrement sympathique. Une rencontre qui était pleine d'humilité, de plaisir et d'intégrité. Et on se réjouit de poursuivre sur cette voie. Enfin, on espère le faire dans les années à venir. Merci Michel. Merci beaucoup. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une 4e étape de nos itinéraires Aïkido très bientôt.
Merci.